1, 2, 1, 2. L'Arlequin, pour moi, est un super bateau. Il est immense! Donc, quand je suis montée dessus la première fois, j'ai fait des pas, puis je suis arrivée juste à peu près où il y a le mât. Et pour moi, normalement, un bateau s'arrête là. Et puis là, il y a encore deux cabines encore plus loin, donc c'est assez génial. Il est immense, il est beau. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une cabine chacun. C'est plutôt luxe. Et même la déco, j'aime bien. Il y a Balthazar qui m'a montré les vidéos d'autres bateaux que vous avez visités. Et même s'il me disait que les autres étaient plus luxueux, c'est vrai qu'il y avait des trucs en marbre, des trucs comme ça, mais je trouvais que ça faisait pas très mer. Tandis que dans celui-là, à l'intérieur, beau bois, bien verni. Donc t'as, même quand tu es de nuit dans les cabines et que tu peux oublier que tu es dans la mer, en fait, toute la déco fait que ça te rappelle la mer et ça te rappelle un environnement marin. Ouais, maison sur la mer. C'est pas du tout. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas, t'en as plus route, quoi. Et les canapés sont grands aussi. Ça, c'est cool pour faire des siestes. Même si c'est un bateau moderne, je trouve qu'il y a un petit côté bateau. Enfin, pas pirate, mais tu vois, un petit truc un peu Pirates des Caraïbes où tout est en bois et puis toute la déco, il y a plein de gravures autour des bateaux. À la fin de cette traversée, je le qualifierais d'une vieille dame dont il faut prendre soin et à qui il faut préparer une deuxième jeunesse, je crois. Bien sûr, voilà, il faut un peu de travail encore pour le rendre beau, pour le rendre sûr. Mais j'ai totale confiance en Yorick et Balthazar. Un bateau où on se sent bien, où on rit, où on boit des coups, où on est bercé. C'est un grand, beau bateau qui a son propre caractère. Il va faire des heureux, beaucoup d'heureux avec Vitamine C et puis tous les gens qui vont venir à bord. Je pense qu'il a besoin d'un petit peu de soin et d'amour pour le remettre au top de sa forme, mais ouais, c'est super. J'aime ce genre de bateau et j'aime le fait qu'il ait justement des touches assez personnelles. Alors c'est moi qui ai écrit les questions, mais en fait j'ai pas pris le temps d'y réfléchir.